Eh bien, plop tout le monde, si t'as envie, donc on se reprend une nouvelle quête de la 2.35. Alors, je vais le faire avec mes trois persos, donc ça prendra un petit peu plus de temps, mais vous inquiétez pas, je vais le lire qu'une seule fois, les combats, je les fais qu'une seule fois, tout ça. Alors, on y va. Mes pères ne veulent rien entendre quand je leur parle de la dangerosité de la pêche intensive. Si l'espèce des rougets disparaît, comment vais-je préparer un filet de rougets en écailles de courgettes? Je radote, je sais. Oh, on va te remonter le moral. Comme le veut la tradition, lorsque le cuisinier royal déplaît à la suzeraine, il est dévoré vivant par la progéniture royale. Ce qui vient d'arriver, les cuisiniers organisent un concours pour savoir qui aura l'honneur de le remplacer. Eh, hey, c'est bien ça, tu te feras démorer. Pour gagner le concours, il faut réussir la plus grande queue cuisinée du monde. Elle doit être comestible, sinon ça ne compte pas. Pour me démarquer de mes concurrents, j'envisage de cuisiner une queue de nid d'eau. Une queue de nido, un serpent de mer géant à la vapeur. Ouais, ça a l'air cool. J'ai malencontreusement cassé la machine dont je me servais jusqu'à présent. C'est de la technomagie steamer et je n'ai pas la moindre idée de comment la réparer. Les steamers refuseront d'aider un triton, mais toi, tu dois pouvoir les convaincre de te dépanner. Qu'en penses-tu? Ouais. J'ai entendu parler de bricoleurs travaillant près de l'accès menant à la surface. Demande-leur de l'aide. Très bien. 2, 1. Ouais. Alors, on y va. Ouais, je vais attendre que ça passe. Ouais. Alors. Hop, hop, hop. C'est assez fun les animations, ça donne un peu de vie. Parce que c'est vrai que Tofus, ça bouge pas beaucoup pour beaucoup de trucs. Hop, ça se ressent en fait dans le poids des vidéos. Parce qu'en fait, les vidéos capturent une image. Et si c'est toujours la même image, bah, ils associent comme étant la même image. Enfin, en clair, ça prend moins de place puisqu'il y a un calcul, tout ça. Alors qu'une vidéo d'un autre jeu, bah, vu que ça bouge, ça enregistre davantage d'images. Mais bon. En clair, Dofus est beaucoup moins lourd à filmer que la plupart des autres jeux. Alors oui, il y a des machins, c'est parce que je suis bloqué là, on en reparlera une autre fois. Non, j'ai déjà sorti la quête. Je sais plus. Non. Ah, je reviens. Hein. Donc, assistant de Dix. Parfois, deux mains ne suffisent pas à résoudre un problème. Dix fait alors appel aux miennes. Ok. J'ai un souci avec une machine. C'est marrant qu'un triton te demande ça. Ils ont une aversion pour la technomagie. D'habitude, leur premier réflexe, c'est de casser les machines qu'ils trouvent. Les rafs qui en utilisent ne savent pas les réparer. Préciser. Je vois. Eh bien, si un triton s'intéresse d'aussi près à notre technomagie, il serait dommage de le décevoir, pas vrai? Je vais t'accompagner. Par contre, je compte sur toi pour me défendre en cas de mauvaise rencontre. T'inquiète. Hop, je fais juste ça avec les autres. Et on y va. Donc on a chacun un petit assistant pourri. Voilà. Avec des grosses lunettes. Il y a des plus grosses lunettes que moi. C'est par rapport au nom de la quête. Hop. Toc, toc, toc. Alors j'étais bloqué sur cette quête dans la bêta parce qu'il y a un combat à faire. Qui est un petit peu dur. Un petit peu très dur même. Donc je sais même pas si je vais y arriver sur l'officiel. Faudra peut-être que je prenne des stuff à quelqu'un. Je reviens le temps que ça bouge. Hein. Oh, alors. Tac. 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 On fait attention à pas se faire aggro. Bravo Taroy. On va faire passer l'autre perso. Et je reviens. Hein. Alors. On y va. Hop. On va essayer d'esquiver un maximum les trucs. Tiens, je voulais voir s'il n'y avait pas des trucs à ramasser, des ressources, tout ça. Non, sans bloc, non. Pas de ressources. Alors, assistant de Dick. Demandez s'il peut la réparer. Bien sûr, à condition d'avoir les bonnes pièces de rechange. Va pas t'imaginer que je les ai sur moi. Je me promène pas avec un regard sur le dos. Je vais te rédiger un bon au porteur avec mon ardoise magique.
C'est pratique ce truc pour écrire sous l'eau. Fais gaffe à ne pas l'effacer. D'accord. Je le remets à qui? Apporte-le à Pink Tada. Et dis-lui que c'est urgent, sinon elle va te baratiner et te faire poireauter pendant plusieurs jours. Essaye aussi de récupérer des morceaux détachés de garlingue. Ça me sera utile pour renforcer la machine. D'accord, donc on va prendre sur les autres. Pareil, hop. J'aimerais bien en fait cette fois-ci réussir à faire toutes les quêtes sur tous mes persos. Parce que en fait le truc c'est que déjà d'un point de vue RP tout ça, je sais pas quel perso je vais jouer au final. Puis les points de succès, les quêtes tout ça, elles sont utiles pour les zones. Je reviens de 1. Alors. Ça m'énerve un petit peu ces mobs. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tachigo il y est déjà puisqu'il est mort. Hein, donc. Je me suis pas embêté à revenir sous l'eau. Et yop. Alors. Ah non, il me reste une map. Voilà. Alors, donner le bon. Je n'ai pas de sang en réserve. Je ne saurais pas réapprovisionner avant plusieurs jours. Il faudra repasser plus tard. C'est un peu urgent. Tu as laissé l'assistant de Dex sans surveillance au fond de l'eau? Personne ne t'a raconté qu'il a failli se noyer dans une bassine avant son baptême de plongée? Prends ses pièces et dépêche-toi de le rejoindre. On est tombé sur un bon réparateur par contre. Semblerait. Wow, quand j'ai pas mon casque, elle fait tellement de bruit ma souris. Alors, enfin, après j'ai pas mon casque là parce que mon casque me fait trop chaud, c'est insupportable. Je sais pas, il va falloir que je me trouve des écouteurs pour l'été. Qu'est-ce que je disais? Ben, en fait, j'entends pas. Je crois qu'il y a pas de musique donc, parce que j'ai mis le son du casque relativement fort pour que j'entende et j'entends pas de musique. J'ai fait une déco roco, ça change pas donc tant pis. Pas de musique. Voilà, c'est un jeu calme. Voilà, si vous voulez, je peux faire de la musique. Boum, boum, boum. Et ça sera pas très bon, donc je vais pas le faire. Au pire, il y a ce piston qui fait du bruit, enfin, qui est mieux décoré que le reste. Il manque un truc. Récupérer des morceaux de tôle, où ça? Au donjon de Nemo. D'accord. Donc on y va. Hop. C'est vrai que la première fois j'avais oublié également ce petit élément. Je l'avais fait également avec les trois persos. J'ai réussi le combat avec zéro personnage. Donc ça sent les 140 000 essais. Heureusement que je suis blindé de poudre d'Eniripsa pour mes familiers. Et que c'est pas trop grave si je meurs. Hein. Bon, être un fantôme. Voilà, c'est pas très grave. Je vais devoir attendre que les mobs partent. Je reviens. Alors. Voilà. On prend la tôle. On esquive les mobs. Hein. C'est relativement sécuritaire ce que je fais. Il n'y a pas besoin d'esquiver autant, je pense. Si je fais que ça. Ouais, ça passe large. Ouais, je crois que ça agresse à deux cases. Un truc dans le genre. Tiens, je me demandais un truc, parce que moi j'active toujours les mobs. Pour ceux qui n'activent pas tous les mobs, est-ce que l'agression, c'est de deux cases autour du mob que vous voyez? Ou est-ce que c'est. Bah, plus loin, puisqu'il y a des mobs qui sont censés être là. Dans ce cas-là, ça veut dire que désactiver les mobs, c'est un très bon moyen d'éviter l'agression. Ou pas, hein, si ça marche pas. Hein. Si ça marche pas, bah, c'est pas un bon moyen. Le son est extrêmement bas. Tant pis. Alors, donnez les pièces de rechange. Oh oh, on dirait que quelques résidents n'apprécient pas de me voir réparer la machine. Dis-leur à ta manière de me laisser tranquille. Et donc là, on va passer au combat qui va être très chiant. Alors je vais couper la vidéo et en fait je vais faire plein d'essais et je vais essayer d'en filmer un. Voilà.
Alors, pour vous conseiller dans ce combat, en fait, ce qu'il faut faire, pour déjà, c'est buter le, comme vous avez vu, le triton. Puis ensuite, le tride. Déjà, il faut un dos au coco, sinon vous allez jamais vous en sortir. Le tride, ce que vous faites, c'est que vous attendez d'être full life, comme j'ai fait. Avec un peu de chance, des invoques, tout ça, vous le trouvez, donc vous le tapez un peu. Et au bout d'un moment, quand vous êtes full vie, quand il commence à être à la moitié de sa vie, tout ça, vous vous mettez dans un coin. J'avais pensé à me mettre en haut. Et en fait, quand. Ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il vient, il pose ses pièges. Là, vous pouvez le taper, il est proche de vous, donc vous faites des sortes de zones. Je sais pas, foudroiement. Ensuite, il va reculer. Donc c'est un tour où vous ne vous faites rien, vous pouvez essayer éventuellement parce que parfois il reste. Puis vous revenez, vous retapez, il repart. Voilà, ça va être comme ça. Il va venir, il va te taper, il s'écarte, il revient. Voilà. Alors, qui a la plus grosse protégée, l'assistant? Je lui ai offert une deuxième jeunesse. J'en ai profité pour changer quelques joints abîmés par le sel et déboucher les tuyaux. C'était pas plus difficile que soigner une occlusion intestinale. Si t'as plus eu besoin de mes services, je vais rentrer. Merci. Alors, annoncez la réparation de la machine. Bien que notre majesté ait goûté d'innombrables queues, elle ne s'attend pas à ce que je vais lui faire avaler. Grâce à toi, j'ai toutes mes chances de remporter le concours et de devenir le prochain cuisinier royal. Mille merci. Et bien voilà, on a terminé avec cette quête, ça fait plaisir. Moi je dis c'était compliqué quand même. C'était compliqué, j'ai dû faire 4, 5, une dizaine d'essais avec Taroy, 3-4 avec le Pandawa. Je crois que c'est le troisième avec l'Osamodas. Donc prévoyez des poudres d'Enerypsa pour soigner vos familiers. Vous allez mourir en fantôme, mais ça c'est pas grave, il y a un phénix qui est pas loin. Voilà. Sur ce, bisous bisous Jean.